Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Darknet Security. Alors aujourd'hui, les petites actus sur la 3.18.2 et la 3.19 en général. Alors, la 3.18.2, on a reçu un petit cadeau de CIG et ils nous ont enfin débarrassé de la Xenotrace qui faisait planter le back-end. Bon, ils avaient besoin de le faire, hein. On va pas s'en cacher, c'était nécessaire, un mal nécessaire. Alors là, en ce moment, on profite un petit peu des serveurs dans un meilleur état, c'est mieux quand même. Mais le 5 mai arrive Jumptown, donc retour en enfer, ni plus ni moins. Hein. Bah oui, parce que le back-end avec comment Jumptown, il va pas être mieux. Hein. Beaucoup de joueurs vont se retrouver au même endroit, ça va pas faciliter la vie au serveur. Alors maintenant, on va passer à la 3.19 PTU. Alors je l'ai regardé bien attentivement, j'ai regardé plusieurs streams, qu'ils soient anglophones ou francophones. J'ai surtout regardé à l'heure où ils faisaient les streams. Et donc en général, bon, les trois quarts du temps, les streamers font ça en prime time, on va dire. Et au bout d'un certain temps, j'ai regardé dès le départ, dès le lancement du jeu, jusqu'à ce que... Bah, on va dire le back-end donne des gros signes de faiblesse. Et de l'analyse que j'ai fait, j'ai regardé une dizaine de streams. On va dire 4-5 en anglophone américain et puis le reste des streams français. Et j'ai remarqué que en général, les gens commençaient à avoir des problèmes au bout d'une heure, voire 2 heures de jeu. Et sur les streams francophones, j'ai remarqué que ça se passait souvent à partir de 20h, 21h. Donc au final, pas beaucoup de changements par rapport à la 3.18.2 live. C'est un peu la même chose. Et pourtant, il n'y a pas d'event particulier à la 3.19 PTU. Ils n'ont pas, à ma connaissance, lancé une Xeno ou quoi que ce soit. Et on rencontre déjà des problèmes avec le back-end qui a du mal à réagir. Je vous cacherai pas que ça m'inquiète un peu pour l'Invictus, parce que le 19 mai c'est l'Invictus, donc dans une quinzaine de jours, ni plus ni moins, et que le back-end ait encore des gros soucis à l'heure actuelle. Alors à moins d'un miracle et dans les 15 jours il répare ça, je suis quand même inquiet, hein. Parce que bah, l'Invictus, tous ceux qui n'avaient pas joué en 3.18 vont se dire oh, bah, on va quand même jouer l'Invictus, on va pas louper ça, c'est quand même le deuxième gros événement de l'année dans le jeu. Tous ceux qui n'ont pas joué depuis plusieurs mois ou plusieurs années se disent, tiens, cette année, si je faisais l'Invictus, et avec ça se rajoute une free fly. Et voyant le back-end à l'heure actuelle, je pars pas très confiant. On peut même dire que je suis pas confiant du tout. Je sens arriver une 3.18 bis à son lancement. La 3.19, elle me fait un peu peur. Surtout à son lancement. Hein. Bon, j'espère que CIG me fera mentir. J'espère. Hein, j'espère me compter. Bah, enfin, carrément me planter même. Je préfère me planter en beauté. Mais là, à l'heure actuelle, de ce que je vois, juste de ce que je vois, je pars pas confiant. Hein. Je pars pas du tout confiant. Mais j'espère que dans 15 jours, ils vont me faire changer d'avis. Largement. Bah d'ailleurs, je pense qu'on est plusieurs à penser à ça, hein. Parce que là, c'est pas engageant. Hein. Voilà les actus concernant le jeu. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Hein. Donc oui, le 5 mai, il y aura bien Jumptown sur les serveurs 3.18.2 live, jusqu'à pratiquement l'arrivée de la live 3.19. Hein. Je vais regarder quand même attentivement quand je vais revenir de mes congés la 3.18, la 3.19 PTU vague 2, si elle est encore disponible. Et puis je vais voir. Beaucoup de youtubeurs et de certains streamers nous avaient promis une année difficile. Et je pense qu'on va droit dessus sur une année en termes de jouabilité qui sera très difficile. Alors techniquement, ça sera passionnant. Mais en niveau jouabilité, à mon avis, ça va pas être la meilleure des années, hein. Loin de là. Alors autrement, concernant la chaîne, eh ben, comme j'ai dit précédemment, je vais partir en congé.
enfourcher un petit canasson bien sympathique et pendant une semaine longer le littoral dans les dunes, bivouac à la belle étoile. Ce qui fait que bah, pendant que je vais faire ça et que le téléphone sera rangé dans un sac bien au chaud, bah, la chaîne durant ce temps-là va être en suspens. La chaîne prend aussi des vacances, on va dire. C'est pas grave, je suis pas monétisé, donc je peux me permettre d'arrêter la chaîne pendant une dizaine de jours. Donc il n'y aura pas de contenu pendant les... jusqu'au 16, peut-être au 17. Voilà, c'était pour vous informer de ça aussi par la même occasion. Mais autrement, bah, les actualités sur Star Citizen, il n'y en a pas full. Il n'y en a pas full. Pour l'instant, c'est plutôt le calme plat en dehors de la PTU que beaucoup observent et analysent avec beaucoup d'intérêt. Donc on verra bien ce que ça va donner par la suite. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que la 3.19 sorte en bon état. Autrement, bah, la 3.19 a beaucoup de choses intéressantes. Hein. Le gameplay minage qui a été pas mal repensé. Hein. Beaucoup de gens vont devoir réapprendre à miner quelque part. Le salvage avec des nouvelles missions un peu plus sympathiques. Le loot des pièces détachées de vaisseaux comme les armes et choses comme ça. Ça, c'est plutôt sympa aussi. De nouvelles missions. Enfin, il y a deux, trois petites choses assez sympas quand même sur la 3.19. Bon, bien sûr, il y a l'Invictus, mais bon, l'Invictus, je serais tenté de dire que c'est un événement sympa, mais là, cette année, je sais pas si ça va être si sympa que ça. Surtout qu'on va avoir une Free Fly. Alors, chaque année, il y a une Free Fly, mais là, cette année, je sens que ça va pas être triste. Je sens que ça va pas du tout être triste, l'Invictus. J'espère me tromper, hein, très honnêtement. En tout cas, ben je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis on se dit à dans une quinzaine de jours, de bon pied, de bonne humeur. Et certainement dans un jeu peut-être en meilleur état qu'il ne l'est actuellement. A ciao ciao tout le monde!